Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même, à Universal, comme tu as demandé, à l'attention de Benjamin Chulvanich. Tu sais que ton album est floppé, t'es pas dans le top, t'es une grosse merde, t'es en Hesse. Ta seule issue, c'est la bagarre. Voilà. 300 000 euros garantis. Garantis. C'est le minimum. Donc à toi de jouer, frère. Aïe, j'espère que ça coûte entre 5 et 25 euros, frère, pas plus. Tous les autres, tous les autres, tous les autres, tous les autres sautent dans le bordel. C'est juste moi et le modèle. Les autres sont dans le bobo. Tous les autres, tous les autres, tous les autres, tous les autres sautent dans le bordel. C'est juste moi et le modèle. Les autres sont dans le bobo. La mif, j'espère que ça va la mif. Capte, c'est un peu imprévu, je te cache pas. C'est pleine soirée, poteau. Je t'ai posé dans le bando. Tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je suis un peu affolé. On est tous affolés. Frérot, Booba a enfin lâché la date du combat contre Kaaris. Officiel, entre parenthèses. Officiel, pourquoi? Je vais dire officiel entre parenthèses. Parce que Kaaris, il a pas encore répondu. Il a pas encore validé le contrat. Il a pas dit c'est bon. Comme tu sais. Pour que ça soit validé, il faut que deux personnes, donc les deux personnes soient d'accord sur le contrat. Donc pour l'instant, c'est pas encore vraiment validé, mais ça sent bon. Le combat, il aurait lieu à Bruxelles le 5, donc le 5 avril, mois d'avril, poisson d'avril. Ah, je sais pas. Enfin, la date, moi je me pose plusieurs questions sur le combat, tu vois. Déjà, à combien ils vont mettre la place? Y a que ça qui... En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je te cache pas que ça. Au début, je me disais, ouais, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Est-ce que je ramène Mago? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Mago, Booba Kaaris, ça n'a rien à voir, tu vois. Il aurait fallu que ce soit Dadju contre l'Algérino. Pessimiste. Je te cache pas, je suis pessimiste. Je sens bien la douille. Donc, je sens bien KSI Logan. Tu vois, KSI Logan, même délire. Donc, le combat sera retransmis peut-être à la télé, sur Okam TV, pourquoi pas sur YouTube, un live. Mais. Ouais, je me pose plusieurs questions. Déjà, est-ce que Caris va accepter? Est-ce que les termes du contrat sont ok? Tu vois, est-ce que tout ce qu'il a demandé c'était bon? Booba a l'air sûr de lui, a l'air quasiment sûr que le combat va se faire. Il a assuré donc à Caris qu'il toucherait 300 000 euros garantis. 300 000 euros garantis, frérot. Moi, tu me demandes si tu veux, je te boxe avec la bite. Même s'il faut à la fin, tu me coupes la bite, je m'en bats les couilles. Il faut de 300 000 euros. 300 000 euros. Mais vas-y, je pense, on va tous. Tous ceux qui seront au stade, on va aller devant, on va attendre, on va dire Booba, laisse tomber, prends-moi, nique sa mère, tous un par un en queue, file indien. Je me pose plusieurs questions, voilà, le prix des places, comment ça va se passer? Est-ce que c'est pas une douille en mode ils vont faire le combat, tu sais, que pour les restats, tu vois, il y aura que des restats dans la. Après, il y a 18 000 places apparemment, c'est au Palais 12, c'est ce que j'ai vu, à Bruxelles. Il y aurait 18 000 places. Donc, dans les 18 000 places, obligé, il y aura des gens lambda comme nous, tu vois. Obligé, tout. Il y a des gens qui pourront y aller. Affolé, c'est un grand mot. Je suis pas une groupie des deux, tu vois. J'aime bien les deux. J'aime bien les musiciens. Musiciens, les rappeurs. J'aime bien les personnalités. Je préfère un petit peu la personnalité de Kaaris. Parce que Kaaris, il me fait taper plus de barres. Mais Booba, c'est un génie. Tu vois, Booba, c'est un génie. Je sais pas comment te dire. Il a un niveau quand même où vraiment. T'es obligé d'aimer. En fait, tu peux le détester, mais t'es obligé d'aimer un peu, de rigoler à ce qu'il fait, les montages, les vannes. Parce que pour Cop, là, pour Cop les plages, je t'en parle pas, va falloir, le jour où la place sera sur les sites, il va falloir y aller cash. Parce que je te promets, toute la France attend un billet. Toute la France. En espérant que, voilà, ils vont pas faire croquer que les restas, qu'il y aura que des restas. Parce qu'il va pas y avoir 18 000 restas, frère. J'en ai rien à foutre de savoir qui, quoi, comment, c'est combien. Voilà, combien. Qui va y aller? Donc en commentaire, je veux bien savoir qui aimerait y aller, qui voudrait y aller, qui va y aller, combien vous êtes prêt à mettre pour y aller, pour voir à quel point on est des pigeons. Et voilà la mif. Et dites-moi lequel vous pensez qu'il va gagner. Mais personnellement, tant que Caris n'a pas donné son accord encore, qu'il a dit c'est bon, je titube. Je suis en pleine titubance. La mif, c'était une petite vidéo comme ça pour vous tenir au courant, ceux qui n'ont pas Insta. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Insta, poto. Capte. On se capte très vite. Dites-moi, vraiment, dites-moi en commentaire. J'attends tous les commentaires. Je sais pas quoi dire en fait, parce que je suis pas pessimiste, mais j'attends, tu vois, de tout voir, de voir les plats sur le site, tout ça, pour être sûr, sûr, sûr. Mais ça sent bon. Ça sent bon.
Après, oubliez pas que c'est du divertissement, quoi. S'ils font tout ça, c'est du divertissement, c'est pour nous régaler, pour régler leur compte, mais aussi nous régaler. Comme j'ai pu voir beaucoup sur Twitter, qui sait, peut-être les lumières vont s'éteindre au tout début du show, ils vont se tenir par la main, gros featuring, un album en featuring pendant 1 heure et demie. On sait pas, pareil, ils nous préparent un truc. J'en doute. En commentaire, on se capte, et voilà, c'était 2 spies juste pour te raconter ça. Bisous la mif, et on est ensemble. Vous avez parlé, les mecs. Maintenant, faut assumer. Octogone, pas 200 € la place, et c'est complet. Allez, bisous la mif. Santé, 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 santé,